Domon Sensi, porte-parole SPNH 17. Maintenant là, nous tous connaissons que il était prévoit pour nous faire une conférence, pour nous faire un sitting. Mais malheureusement, et l'état-major là rentré dans la même dynamique de répression et faire répression sur tous les membres SPNH 17 qui viennent pour capable bloquer le sitting que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, nous tous nous connaissons là que l'état-major là, ils ont senti toujours à l'aise, sans problème, ils ont mis des dossiers sous moule pour capable faire mon peur, pour faire mon pourri. Et c'est comme ça nous est, pas connaître si c'est culture nous-mêmes, en Haïti même, laisse que les gens qui défendent le droit, qui réclament le droit, et que pour être capable de piétiner des droits, pour passer droit en papier, ils ont non côté, ils ont mis des dossiers sous dos. Eh bien, nous-mêmes dans SPNH 17, nous avons demandé à tous les policiers en général pour qu'ils soient calmes, ils n'ont pas besoin de peur. Pour elle prendre le jour, et bien fait nous aller même li, tout partout. Nous avons demandé aux policiers, nous connaissons bien, depuis l'académie, ils ont divisé nous. Depuis l'académie, ils ont fait nous comprendre que problème pas youn, pas problème pas l'autre là. Plutôt c'est où, tant c'est moins. Eh bien, je dis à moi, je viens de dire nous, les arrivés, moment arrivé pour nous serrer coude nous, moment arrivé pour nous unir nous, moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que si nous mettons tête nous ensemble, nous tous n'a mouru. N'a mouru même gens avec 5 policiers sa yo qui que roi état major là te voyé al mouri dans village de Dieu. Et les n'a gardé nous est comportement roi état major là, il prouvait à clair que il était une volonté pour monsieur Otal mourir parce que pas jamais voulait faire rien pour capable aller derrière corps monsieur yo. Au lieu pour aller derrière corps monsieur nous même étant que syndicaliste non mission nous dans devoir nous pour nous capable défendre l'institution, défendre les policiers, même les que les mourir, défendre l'intimité policiers, défendre l'intégrité physique, l'intégrité morale policiers. Eh bien, au lieu que vous êtes entré et tenté ça que nous avons dit, vous préférez faire nos pressions, vous préférez faire une peur, vous préférez mettre la vie de recherche derrière nous, vous préférez identifier nous à Fantôme 609. Et nous tous nous connaissons, nous tous nous connaissons bien. Et SPNH 17, pas Fantôme 609. SPNH 17, c'est une structure syndicale, une structure qui bien organisée. Et l'État haïtien va nous reconnaissance légale. Donc nous avons les droits, nous. Et nous sommes des vivants, nous pas des fantômes. Nous c'est monde qui est dans la structure SPNH là. Et nous c'est monde qui a pour monde pareil. Et vous connaissez tout qui côté pour rejoindre nous, nous en tant qu'institution. Vous révoquez les ovlés. Vous mettez à vivre chez les gens les ovlés. Vous pas jamais entrer dans la logique. Les que pour révoquer un monde, il faut que les gens aient reconnaissance légale. On prend pour faire connaître que ou révoquer. Donc, nous avons plus de bagaille pour nous dire. Mais nous voulons écouter nous ça dit pour ne pas aller trop long. Nous avons demandé international, là, tout syndicat dans le monde, là, pour camper avec SPNH 17. Pour avoir un regard sur ce qui a passé là dans le pays. Là. La vie nous en danger. La vie LDR en danger. La vie d'Ario en danger. La vie et Jean-Pascal Alexandre en danger. La vie Gerbi en danger. La Gerbi Geoffroy en danger. La vie Antoine Dario en danger. Et la vie James Jules et en danger. La vie Luc Nair, lui en danger. La vie Maître Mani en danger. La vie moi-même qui l'a qu'à parler comme porte-parole SPNH de Mont-Saint-Cy, moi en danger. La vie et
Général Monbrun en danger. Yo pas voulu nous réclamer droit nous. Mais nous-mêmes, quand on fait jour de la conférence de presse, c'est parce que nous disons, nous pas peur, nous pas peur et nous pas peur. Nous avons campé pour une bataille, policiers pas contre peur. Policiers pas contre peur, nous pas peur. Nous avons réclamé droit nous, nous appelons droit nous. Nous pas grand rien pour nous faire. Nous connaissons bien que Haïti, les signes ont une bonne convention, les signes ont un bon accord qui, là-dedans, reconnaître structure syndicale. Nous demandons si vous défendez Haïti, si vous êtes amis Haïti, effectivement, montrez ça. Faites un bagaille, dites un bagaille, parce que nous-mêmes, nous sommes en danger pendant que nous défendons droit. Nous ne pouvons jamais suspendre. Et pas qu'il y a rien qui fait nous faire bac sous ça. Nous ne pouvons pas faire bac pour rien au monde. Sous réclamation cadavre policier. Yo. Nous ne pouvons pas faire bac sous et révocation, démission, arrestation alors. Démission et arrestation pour tout le monde qui était non et devine en conception opération jusqu'à matérialisation. Il faut que tout yo payé. Pas seulement IG, Talanri Boucher qui vous payer, c'est pour yo tout yo payé parce que yo tout est là. Les que policiers étaient en dans village de Dieu pendant 4 heures à crier secours pendant 4 heures avec des cris de détresse pendant 4 heures. Yo est l'homme en face. DGPNH à Kobiel, radio A. DDO Kobiel radio A. DCPA Kobiel radio A. Boy Kobiel CB Boy Kobiel radio A. Mais commissaire votre président, yo tout yo copier radio a. Mais yo te choisi qui te policier mourir. Est-ce que plus gros criminel que yo? Est-ce que plus gros méchant que yo? Et puis c'est nous même journée jodian que yo considéré comme méchant. C'est nous même journée jodian qui cap défendre droit nous que yo considéré comme criminel. N'a dit yo, nous pas prendre ça dans mes sous aucun prétexte. Et n'a demandé avec population haïtienne pour yon camper défendre l'institution. Camper pour défendre la police. Nan. La police n'est pas pour déchirer un char. La police n'est pas pour président Jovenel. La police n'est pas pour premier ministre Jout. La police c'est pour moi-même. C'est pour petit tout. C'est pour nous tous. C'est pour la presse. C'est pour nous tous liés. Monsieur Pavli entre dans dynamique pour gagner. Yon la police indépendante. Yon la police. Yon plus besoin de la police qui a toujours continué à faire mes mines sous lui. Yon utilise la défense politique. Pour faire répression, pour faire ça, vous voulez avec nous. Eh bien, SPNH 17 dit, nous-mêmes, nous t'es subi pire que ça. Nous pas peur. Déchirer un châle, ou pas qu'à faire peur, et ne pas jamais peur. Nous continuons la bataille, et nous bataille jusqu'au péril de notre vie. Même si mourir, même si on l'a mourir, bataille là a continué. Parce que SPNH 17, pas crasé, lui pas jamais crasé son structure qui campait pour défendre droit policier, son structure qui campait pour défendre institution policière là, son structure qui campait pour défendre intérêt nous tous, intérêt pays, intérêt nation. Parce que journée aujourd'hui, le cafou est policier fait n'importe quoi, le cafou est policier et à exécuter des ordres illégales et arbitraires. Mais nous même dans SPNH là, nous là pour nous camper pour nous dire halte là. Nous n'avons pas de camper pour nous dire, pas contrer dans la logique que vous voulez entrer avec l'institution. L'institution, ce n'est pas nous toutes, nous ne pouvons pas le casser. Maintenant, nous avons pris la parole avec Maître Mani, qui est ensemble avec nous, et Maître André Michel. C'est pas bataille SPNH.
c'est une bataille politique, c'est une bataille pays. Moi-même qui ai une spécialisation, ça s'appelle la sécurité et la stabilité d'une nation. Moi-même, si nous avons eu longtemps, la prochaine abdi, pour nous retirer la police de la politique. Voilà que nous ne pouvons pas dépendre de nous, mais côté nous tomber là. Le pays a mis en danger. D'ailleurs, ma petite nous d'abord, pour nous comprendre. C'est quoi le rôle de la police dans une société démocratique? Le rôle de la police dans une société démocratique, c'est de gérer une population, d'administrer une population à travers deux fonctions principales, le service et le contrôle. Mais pour ce faire, la police doit demeurer libre. La police doit débarrasser de toute ingérence politique, idéologique, quel que soit sa carrière. L'essentiel, nous-mêmes, nous avons un travail de police, c'est ça qui a demandé la population accompagner SPNH dans sa lière. Parce que si SPNH a des victoires, c'est victoire pas nous la pire, c'est victoire la population la pire. Ce n'est pas un parti politique qui a prouvé là. C'est affaire une police qui l'a pour garantir l'ordre dans la société. Voilà que nous venons des accaparés qui viennent dans la tête police pour nous mettre ensemble avec l'exécutif pour détruire la population. Même si nous sommes pays étrangers, comme les États-Unis par exemple, qui viennent qui finir avec des discours de gauche. Depuis 1915, les États-Unis souterrains là, ils vont en prendre un sérieux pour nous. Si tu veux fonder un sérieux pour nous, t'appelles. C'est nous qui pouvons venir nous en main. Si on ne peut pas dire ça, on n'est pas dans la bataille. Je dis à la, tout ça pour nous dire. Pour vraiment dire, pour les gros questions, on va tout répondre pour nous là. Pour qu'on remette un peu Michel avec nous là. Il y a des gens qui ont dit que nous politisons SPNH. On va tout répondre. Après, quand tu es là, on va les mettre. Ce n'est pas politique lié. Si on prend la police, la beaucoup pour l'opposition. La beaucoup partie de ce pouvoir, la beaucoup maintenant de Michel, la beaucoup moi, la beaucoup nous-mêmes pour nous. C'est-à-dire que nous des problèmes là, nous des problèmes, sans problème. Le plus nous tiendrons, tout le monde mettons dans la patte. Pour l'homme qui t'avait venu à préparer nous, parce que SPNH en danger, bien nous dit SPNH en danger, PNH en danger, l'ordre social, le public est en danger. Alors c'est pour être sa presse, nous que nous remettons de Michel, nous connaissons déjà. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois qu'il intervient pour nous, nous venons comme nous avons. Je mets Caleb, je mets France, je mets Emmanuel, moi-même, je connais M. Avocat SPNH. Mais nous toujours là, nous toujours là, maître de Michel Cajon, marchand de ça, ensemble avec nous. J'ai eu des problèmes, nous toujours pas avec nous. Nous sommes là comme avocat, qui vient accompagner nous dans le moment difficile, parce que c'est un combat pays qui a mené là. Ce n'est pas un politique qui a mené là, c'est un combat pays. Nous tous répondons à ces questions pour n'importe quel journaliste qui a posé une question, parce que je suis de Michel. Moun qui a dirigé SPNH 17, ce sont des policiers, ce sont des citoyens honnêtes, ce sont des citoyens paisibles et des citoyens respectables. Nous là aujourd'hui pour nous dénoncer, pour nous combattre toute campagne qu'a faite pour craser le syndicat SPNH 17. Un syndicat qui a bataille, les policiers sont capables de travailler dans les meilleures conditions. Un syndicat qui a bataille. Les policiers rejoignent bon gens salaire. Mon syndicat cap bataille. Les policiers rejoignent matériel pour être capable de la population en sécurité. Je dis à nous constater, Léon Charles, mettez ensemble avec un peu l'autre monde, craser la police, craser le syndicat SPNH. Nous là, pour nous porter solidarité dans notre avocat, nous là pour nous dire bataille policière, c'est bataille pour la population. Je dis à nous constater. Le principal ennemi de la police nationale d'Haïti s'appelle Léon Charles. Le premier ennemi de la police nationale d'Haïti, c'est Léon Charles. Léon Charles fait tout le bagage pour craser la police. 12 mars
2021, ils ont massacré les policiers, ils ont assassiné les policiers de la IVG, et on ne chale pas rien pour récupérer les cadavres, pour les familles enterrées dans l'intimité, en y descendant en balle, négocier à bandit pour le bon blindé. Deuxième bagage, nous constatons, Léon Charles divise les polices là. Il mettait All Black, il mettait Tim Léon, il mettait Nekpal. La montée de police sur une contrôle. Il mettait chien, manger chien, non, mis dans la police là. Léon Charles a crasé la police là. Nous constatons Léon Charles pas fait rien. Pour défendre les policiers, pour défendre l'honneur. 17 mars 2021, nos policiers, il y aurait le chien Daniel Michel, qui a assassiné. Pas d'enquête qui fait. Comment on a une enquête? Léon Charles dit, policier ça, il était dans des choucages, il était dans volet, non, Universal Motor. Ça veut dire, objectif Léon Charles, c'est craser l'identité de policier, c'est craser l'image de la police, c'est craser l'honneur de la police. Il va faire rien comme chef de la police pour défendre l'institution, pour défendre l'identité. Bagay ça a montré, Léon Charles n'a pas de place vraiment dans tête de la police. Et si nous continuons, la fin craser la police là, net alcoolique. Je dis, il faut que solidarité dans le temps policier. Je dis, tout policier doit porter coller avec policier qui a subi répression. Tout policier doit porter coller avec Jean-Yves de Lundi, qui est coordonnateur de l'espérance. Tout policier doit porter coller avec M. Maï, qui travaille dans des conditions difficiles pour le défendre. Syndicat. Tout policier doit faire seul, parce que l'objectif Léon Charles, c'est craser la police, craser l'institution, craser le prestige, craser l'intimité de l'institution. En tant qu'avocat, nous devons faire ce que de droit. Il y a des avis de recherche que la police mettait contre des membres du syndicat SPNA 17. Je mettais avis de recherche contre, il est lundi, je mettais avis de recherche contre Kev Jeffra, ils ont décapité. Et c'est ça qu'ils veulent faire, oui. Ils veulent décapiter le SPNA. Ils veulent écraser, couper tête SPNA. Nous-mêmes, comme avocats, nous devons faire ce que nous devons. Ce sont des avis de recherche entachés d'illégalité. Ce sont des avis de recherche émis en dehors de la loi. Vous n'êtes pas capable de mettre avis de recherche contre des membres d'une institution syndicale. C'est des gens qui ont un domicile connu. Ce n'est pas des gens qui commettent infraction. Ils n'ont pas de voler, ils n'ont pas de kidnapping, ils n'ont pas commettre crime. Ils n'ont pas de mettre avis de recherche contre eux. Voilà pourquoi, avec M. Maï, avec les autres avocats constitués pour défendre les intérêts du SPNA 17, nous allons attaquer par devant la justice ces avis de recherche qui ont été émis en dehors de la loi. Et je m'adresse à Maître Bernard Saint-Ville. Il est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est le juge de la liberté. À chaque fois que la liberté d'un citoyen est menacée, automatiquement, au saisir, du fait pour intervenir pour être capable de faire ce que nous devons. Alors, nous ne pouvons pas l'empire, nous menons là comme citoyens pour nous dire. La supporter policier à 500%, la supporter SPNA 17 à 500%, et pays à peuple à nous camper pour ne pas quitter Léon Charles, craser SPNA 17, pour ne pas quitter Léon Charles, craser la police. La seule police là nous gagne. Policiers travaillent dans des conditions difficiles. Ils ont l'école petite. Ils ont payé les cailles pour y arrêter. Ils n'ont pas travaillé pour mieux manger. Et il y a bataille, il y a essayé de nous faire notre sécurité. Il y a bataille pour la sécurité. Nous ne pouvons pas quitter Léon Charles pour la police. Et Jean, votre parole est en Haïti, c'est pas dit déjà. La police là, il n'y a pas personne, il n'y a pas pour Léon Charles. C'est pour tout Haïtien. Nous tous, nous devons bataille. Nous tous, nous devons supporter l'esprit en Haïti. Nous tous, nous devons accompagner tout policier dans la bataille pour la vie est capable de changer la institution. C'est pour un monde. Sorti pour craser l'image de la police. Depuis que mon abdi, tout policier, c'est vacabon, c'est délinquant, pour mettre mon ça, il m'a récabri, même quand avec Léon Charles, objectif c'est craser l'institution de la police. Nous tous, nous devons taper comme une seule femme, comme un seul homme, pour nous empêcher de craser la police nationale d'Haïti, une institution républicaine de maintien d'ordre, qui a fait des efforts extraordinaires pour la sécurité dans des conditions difficiles. Merci. Thank you.